Salut Robert, félicitations pour cette belle étape importante dans votre vie, à toi et ta conjointe. Je vous souhaite de passer de merveilleux moments en famille dans cette nouvelle aventure, en espérant qu'on aura la chance de se revoir au Centre Bell. Fait que, passez de beaux moments. Salut John. Salut Robert, je voulais te dire que dans le fond, c'était super le fun de te côtoyer, puis que tu étais... super généreux comme personne, puis je suis content de t'avoir connu, puis que j'espère être content quand tu vas venir nous voir là, puis je suis content d'être parmi tes amis, puis de te côtoyer aussi souvent, fait que en espérant que tu reviennes nous voir souvent, puis on va certainement passer te voir chez toi. Ton nouveau chez toi quand on aura la chance. Fait que merci pour tout, de ta générosité et tout. Puis c'est sûr qu'on va se revoir puis on va se parler souvent. Fait que c'est super le fun. Fait que je souhaite que tu vas être content ou ce que tu vas habiter. En tout cas, c'est super beau. Là, fait que c'est ça. Salut Robert, le grand jour arrive bientôt pour toi, une autre vie qui va commencer, je suis sûre que tu vas être super bien dans ta nouvelle maison, proche de tes filles, je voulais juste te dire que tu vas nous manquer, on va s'ennuyer de toi, puis en même temps, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, vraiment contente de t'avoir rencontré, on dirait que c'est des adieux, mais ça sera une continuité sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Messenger, sur Facebook. On va penser à toi, puis aussitôt qu'on va aller au Centre Bell, c'est sûr qu'on va avoir une pensée pour toi. Puis, j'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt, qu'on va pouvoir écouter un match de hockey ensemble, puis c'est ça. Fait que de la part de tout le monde ici, là, de les enfants, de moi, bonne continuité, puis on t'aime fort. Bye! Hey, salut Robert! Je suis très contente de t'avoir connu et je tenais à te souhaiter une bonne continuité dans ta vie, dans ce si beau projet que vous avez décidé d'entreprendre. Je vous envie beaucoup. J'espère avoir la chance d'aller écouter une partie de hockey dans votre patelin à vous, de voir votre environnement. Et j'espère qu'on aura la chance aussi de se rencontrer au Centre Bell pour toutes les rares fois où on s'est rencontrés. J'ai eu beaucoup de plaisir avec toi. T'es un homme de grand cœur, un homme généreux, gentil. Je n'ai que des bons mots pour toi, Robert. Donc, je vous souhaite une bonne continuité.
ta femme et à toi dans cette belle maison entourée de tes enfants et de tes petits-enfants. Bonne journée. Salut Robert. Ça va être court et touchant. Donc, je te souhaite bonne chance dans ta nouvelle vie future dans l'Ouest. Au moins, tu vas avoir des beaux paysages, pour faire la différence de la Rive-Nord. Au moins, on aura pu chicaner pour la Rive-Nord, pour la Rive-Sud. Je suis pas content de t'avoir rencontré. Les beaux moments qu'on a passés ensemble, que ce soit au Centre Bell, à Belleville, en Ontario, ou carrément à Ottawa, avec les sénateurs, tout ça. T'es une bonne personne. Continue d'être comme que t'es, avec ta gentillesse, puis ton sourire légendaire et ton rire. Puis aussi, perds pas ta fougue des moments, comment on pourrait dire ça, épiques, comme au casino, des moments de délai. Fait que je t'embrasse, Robert, puis bonne chance, puis on garde contact. Salut, Robert. Donc, comme ça, c'est officiel, tu nous quittes, tu déménages à Vancouver. Tu vas changer d'équipe, tu prends un peu pour le Canadien, tu vas prendre pour les Canucks de Vancouver, ce que j'ai entendu dire. C'est moins pire que si tu prenais pour Toronto, ben non, Boston, quelque chose de même, mais... Un petit peu plate, toi, on perd un chum de hockey. En tout cas, je voulais trouver d'autres mondes pour y aller. Il fallait que je continue à y aller juste avec Marc. Il fallait que je trouve d'autres mondes, non? Petit Pierre, il fallait que j'aille avec Petit Pierre et puis le chouette, tu sais. Mais c'est pas grave, on va se reprendre, puis écoute, mais que tu descendes, gêne-toi pas, tu me laisses savoir, puis on ira voir une game ensemble, une ou plusieurs. Oui, tu sais, je rentre avec tes bons billets de saison, fait que tu viendras avec moi. Puis écoute, on s'est arrangé pour aller à Vancouver, voir ce beau coin de pays-là où est-ce que tu t'en vas. Donc je te souhaite bonne chance avec ta conjointe là-bas, profitez-en bien. Ça a l'air d'une place écœurante où est-ce que vous allez. J'ai très hâte d'aller voir ça. Donc, faites attention à vous. À la prochaine. Bye. Salut Robert. Je veux juste te dire un gros merci pour tout ce que tu m'as apporté personnellement. Nos fous rires au Centre Bell, la fois que je t'ai ramené quand tu étais complètement sous, ça n'a pas de bon sens. Je m'en souviens comme si c'était hier. Non, face à part, méga fan, la Fondation du Canadien, le hockey, c'est en toi. Je te dis un gros merci, Robert. Tu me manques déjà. Cheers à ta santé, à ta femme, à tes enfants. Tout le bonheur que tu mérites. On t'aime, Robert. On a ramené ça à fêter une coupe avec toi, mais on va la fêter. Puis, oublie pas, hein, dans le coin de Vancouver, mon chum Brian, il reste là-bas. Fait que si tu le salues, donne-moi un petit coup de fil. Salut, Robert. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. À bientôt. Salut, Robert. Tu t'apprêtes à vivre une belle aventure, une nouvelle étape de ta vie. Je pouvais pas te laisser partir sans te mentionner combien tu es un ami précieux, un ami généreux, sur qui on peut toujours compter. N'importe quand, on a besoin de quelque chose, on sait que tu seras toujours prêt à nous rendre service. Ça, c'est vraiment précieux. T'es drôle. On a tellement ri, surtout au casino. C'est toujours le fun de faire des activités ensemble. Alors, je te souhaite beaucoup de bonheur dans cette nouvelle étape de ta vie. Puis, c'est sûr qu'on va se revoir. Puis, à bientôt. Bye! Hey! Salut Robert, salut Maryse. Ben, ça va vous souhaiter un bon déménagement au BC. Je sais que ça s'en vient bientôt. Puis ça va être une nouvelle expérience de vie que vous allez vivre. J'espère que vous allez aimer ça. Ben, je vous le souhaite. Puis on a vécu plein d'événements ensemble. On a eu du fun. Plein d'événements. Je garde de bons souvenirs. J'espère qu'on va en vivre encore quand un jour je vais peut-être aller te rejoindre au BC en visite ou quand tu vas revenir au Québec. Sur ça, ben, gars, je te souhaite un bon déménagement. Puis... on pense à toi, gars. Bon déménagement! Salut, là! Hey, salut, Robert. Un petit message pour te dire un grand merci pour toutes les opportunités que tu m'as données de participer avec toi à des activités, que ce soit des matchs, des soirées au casino, avec, dans le fond, le Canadien de Montréal, et aussi les opportunités que tu m'as données avec mes amis de pouvoir passer une soirée au Centre Bell.
Écoute, pour toi, Robert, j'ai une super surprise à l'arrière. On a Megafan Ford. Regardez. Bonjour, bonjour! Salut! Comment ça va? C'est Tayo de Megafan Ford. Robert, il est pas ici? Robert, il est pas ici. Ah, Robert, apparemment, tu t'en vas. Je suis tellement déçue. J'espère que je vais te revoir avant que tu partes. Sinon, bon courage dans toute la suite. Je t'embrasse. Merci pour tout le bénévolat et le temps que tu nous as donné. T'es le meilleur au monde. On va s'ennuyer de toi énormément. Salut! Bon, ben Robert, on est tous bien déçus de te voir partir, mais honnêtement, je te trouve super chanceux. Je suis sûr que tu vas avoir bien du fun en Colombie-Britannique. OK, tu vas rester loin de l'aréna des Canucks, mais c'est pas grave, il n'y a rien à voir là, sauf quand le Canadien y est, fait que je suis sûr que tu vas descendre. Puis, merci pour les ventes que tu m'as fait dernièrement. T'as grandement aidé ma collection, puis je vais m'ennuyer de te jaser ça au game quand on va finalement pouvoir y aller. Fait que bonne chance, enjoy, puis il nous reste encore Facebook. Salut Robert, on se connaît pas si ce n'est que Facebook, mais je te souhaite la meilleure des chances dans tes nouveaux projets. Écoute, l'important c'est de rajouter de la vie aux années et non des années à la vie. Je pense que tu as la bonne formule. Bye! Allô Robert, c'est Guylaine. Je suis pas toujours pas bonne pour faire des vidéos, mais je fais un effort parce que je pense que vous méritez ça amplement. Écoutez, ça fait pas longtemps que je vous connais. Mais de ce que je sais, c'est que vous êtes un bon père de famille, un ami des plus dévoués pour vos amis, effectivement. Un père de famille probablement exemplaire. Vous avez un cœur là, immense là, que même si je voudrais le mettre dans la vidéo, je ne serais pas capable tellement je le vois gros. Vous êtes un homme très généreux. Ça, écoutez, on ne voit pas ça souvent. Vous êtes une encyclopédie ambulante, vivante. Écoutez, ça n'a pas de bon sens, les connaissances que vous avez. Puis, ça va être une grande perte pour bien du monde, dont vos amis les chats de Blainville, parce que grâce à vous et votre conjointe, ils ont la chance d'avoir une deuxième vie. Hey, moi, je suis émue quand je fais des affaires de même. Puis, il y a un mot que vous dites pas souvent dans votre vocabulaire, c'est le mot « non », N-O-N. Puis aussi, ce que vous montrez à bien des gens, c'est que peu importe l'âge qu'on a, c'est toujours possible de réaliser ses rêves. Et ça, je suis contente pour vous. Vous allez aller retrouver votre fille, vos petits-enfants, et vivre le rêve de vous lever à tous les matins, vous sortir le nez dehors sur votre patio, peut-être avec un café, je ne sais pas si vous en prenez, puis de pouvoir voir la beauté de la nature. Parce que pour les photos que vous nous avez montrées, là, ça a l'air à être quelque chose. D'entendre le bruit, le silence, le paysage, les arbres, le soleil, les montagnes, les animaux, je pense que c'est une preuve que quand on tient à avoir un rêve, c'est possible de le réaliser. Fait que j'espère qu'on va se revoir, que vous allez revenir faire un petit tour pour voir vos garçons. Et surtout que cette foutue pandémie va être en arrière de nous pour qu'on puisse organiser un gros souper de gang. Puis que Thipierre nous organise un très beau match en gang aussi pour aller voir le Canadien, évidemment. Puis je vais espérer peut-être qu'en groupe, on puisse aller vous rendre visite là, à Vancouver pour aller manger là-bas, évidemment, et voir un match avec les Canucks et le Canadien. Donc, encore une fois, merci pour tout. Bonne route, soyez prudents. Puis, je vous embrasse, vous et votre conjoint. Merci. À la prochaine. Allô, Robert, c'est Lucie. Je voulais juste souhaiter bonne chance avec tes nouveaux projets à Vancouver. Je sais que c'est quelque chose de gros, mais de beau. Je suis certaine que tu vas être content, rendu là-bas. Et puis, j'ai pensé que pour te faire plaisir, tu aimerais ça écouter l'hymne national en français. Parce que à Vancouver, tu risques de pas l'entendre très souvent, juste en français. Alors, c'est ça. C'est mon cadeau pour toi.
de Mireille, Marie-Claire et moi, on t'offre ça pour que tu te souviennes qu'il y a des gens au Québec qui pensent à toi. Et on a hâte de te revoir. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir se parler avant ton départ. Et puis, je t'embrasse ainsi que toute ta famille. Bye bye. Bye.